Salut tout le monde, c'est Fabrice Eboué pour Petit Délire TV. Restez connectés. Une capitale, je vais prendre Créteil, capitale du Val-de-Marne, là où j'ai grandi. Dessert, bon bah il y a la tête de nègre hein, qui marche à tous les coups pour nous, donc non je vais pas prendre la tête de nègre, je vais rendre hommage à ma mère qui est normande, je vais dire la tarte tatin. Tatin n'est autre qu'une tarte renversée, et pour une fois que la maladresse est payante en cuisine, on ne va pas s'en priver. Ça c'est intéressant, on est plus dans la perversion maintenant. Un truc de fétichiste, je vais te prendre le doigt de pied gauche, mais le petit du pied. L'une est mandatée par l'incontournable GGNAP, le contrôleur fiscal. C'est l'état. Oh, une chanson de Dean Martin, quoi, un truc de crooner, un truc de. Que je sais pas faire, un truc de crooner à l'américaine, à l'ancienne, j'allais dire. My life is gonna be beautiful, I've sunshine enough to spread. Attendez, chut, taisez-vous. Bah écoute, j'ai bossé pendant un an avec l'un, j'ai jamais bossé avec l'autre, donc je vais te dire Ruquier. Attends, comment ça? Salut, c'est Laurent Ruquier. Ah salut Laurent, quel bon moment t'amène. Tu sais qu'ils sont en train de tourner Harry Potter? Ouais. Eh ben il a besoin de 30 prises pour embrasser sa partenaire. Et alors? Eh ben pourtant, rouler le pelle, c'est pas sorcier. Claude François, je vais pas te le cacher, quoi. Ah non, quoi. Bah, à la maison, je suis ni zouk ni Claude François, je me fais pas du zouk ou du Claude François tout seul chez moi. Non, écoute, quand je suis en soirée, plutôt. C'est vrai que moi, j'ai un monde qui est assez vaste, donc quand je suis en soirée, n'importe quoi, je suis plus Claude François. Bon, quand t'es en soirée, plus boîte, machin, peut-être plus zouk. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Ah, j'ai grandi dans le tennis, moi je suis beaucoup plus Roland Garros. Saga, attention, direction, quartier, au damage pour les briser avec le meilleur, à comment mes goûts. C'est devenu une sorte de classique depuis Coluche. Bon délire, tant que ça fait parler, pourquoi pas. Hein. Ça s'est jamais passé, mais je crois qu'il y a des politiques qui, cela dit, sont déjà très drôles, donc ils n'ont même pas besoin de commencer à se dire comiques, ils le font déjà très bien dans leur métier. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec monsieur Poutine. On sait que tu as fait du rap auparavant. Je suis le clochard, tu es peut-être la bête, mais la gargouille zigoule, tout ce qui n'est pas de la rouille. Je suis déjà barbouille devant ta morture des poules. Nous on a toujours une croix autour du cou, c'est pour dire qu'on est prêt à mourir pour le hip-hop, tu vois. Est-ce que je suis actuellement le rap français? Je sais ce qui se fait, j'écoute de temps en temps, mais je suis pas capable de te citer. Je connais les gros trucs à la mode, voilà, maintenant je suis pas très pointu sur la question aujourd'hui. J'ai été plus rap américain, même très spécialisé en rap californien. Mais il y a de ça maintenant une dizaine d'années, là j'aurais plus de mal. Et si tu n'as pas de cravate, ben serpent.